En endurance, trois pilotes se partagent le volant d'une même voiture. La bonne cohésion de cet équipage est fondamentale pour la performance. Philippe Thinault, directeur général de l'équipe Alpine Elf Endurance Team. Forcément, par rapport aux courses sprint, le pilote doit aborder l'endurance de façon différente. Au niveau du sport automobile, c'est l'expression la plus aboutie du sport d'équipe. Si je dois amener une valeur ajoutée à mes programmes sportifs, c'est celle-là. C'est de bien identifier les personnalités susceptibles de créer cette dynamique indispensable au succès et au bon fonctionnement de l'équipe. Bien sûr, pour être un bon pilote d'endurance, il faut être performant. Mais au-delà de la performance, c'est savoir progresser en équipe. On ne peut pas régler la voiture pour un seul pilote. On est toujours dans le compromis. Il y a des pilotes qui sont moins bien installés que d'autres dans la voiture, de par leur morphologie. Cette année, je n'ai pas hésité une seconde à renouveler la confiance aux trois pilotes que j'ai eus l'année passée. Ils ont intégré cette notion de compromis, les valeurs de l'endurance. Nico, c'est le capitaine, il amène beaucoup, beaucoup de sérénité. Mathieu, c'est un peu plus le jeune talent qui vient d'arriver. André, c'est le parfait pilote d'endurance. Que ça soit dans la voiture ou en dehors de la voiture, c'est un lien formidable et indispensable à une équipe. Avec ce trio, on se sent fort. Les fondations sont là, l'esprit est là. Et je sais que je vais pouvoir compter sur eux cette année.